François, évêque, serviteur des serviteurs de Dieu. À notre vénérable frère Laurent Donien, jusqu'à présent évêque titulaire de Macriana di Mauritanie et auxiliaire du siège métropolitain de Bordeaux, établi évêque de Quimper, salutations et bénédictions apostoliques. Devant pourvoir à l'antique et illustre siège de l'église de Quimper, vacant depuis la renonciation de son Excellence Monseigneur Jean-Marie Levert, nous, qui remplissons la très grave charge de pasteur suprême de tout le troupeau du Seigneur, ayant entendu l'avis de la congrégation des évêques, nous t'avons jugé, vénérable frère, toi qui es doté de capacités confirmées et expert dans les affaires de l'Église, digne de la gouverner. En vertu du pouvoir apostolique suprême, nous te déchargeons des liens qui t'attachaient au siège titulaire de Macriana di Mauritanie et de ta charge précédente d'auxiliaire, et te nommons évêque de Quimper, avec tous les droits et les devoirs qui s'y rattachent. Nous prescrivons que cette lettre soit portée à la connaissance de ton clergé et de ton peuple. Nous les exhortons à te suivre volontiers et à demeurer unis avec toi. Enfin, vénérable frère, animé des dons de l'Esprit Paraclet, puisses-tu remplir avec leur aide ce nouveau ministère épiscopal avec la plus grande charité, respectant la loi fondamentale de la perfection humaine et donc de la transformation du monde, selon le numéro 38 de la Constitution Gaudium et Spes. Que la lumière et la paix du Christ, sous le regard de Notre-Dame de Lourdes, soient toujours avec toi et avec cette très chère communauté catholique qui est dans notre bien-aimée France. Fait à Rome, près du siège de Pierre, le 20 mai de l'année 2015 du Seigneur, troisième de notre pontificat, François. Et sœurs dans le Christ, celui que vous recevez aujourd'hui comme évêque a une belle expérience pastorale. Dans le diocèse de Nanterre, il a été vicaire pendant 11 ans, puis curé de la paroisse
Sainte-Geneviève d'Asnières-sur-Seine et curé de Saint-Pierre et Saint-Jacques de Neuilly. Il a été également doyen, vicaire épiscopal, puis vicaire général de Mgr Gérard Daucourt pendant 5 ans. Quand il est arrivé à Bordeaux comme évêque auxiliaire en 2011, j'ai découvert en lui un pasteur attentif à la qualité des relations pastorales proches des prêtres, des diacres, des laïcs, des religieuses. Quelqu'un connaissant bien le fonctionnement complexe d'un diocèse. À Bordeaux, nous avons essayé de porter ensemble le ministère épiscopal. Mais comme évêque auxiliaire, il était plus particulièrement chargé de la pastorale des jeunes, de la pastorale familiale, de la pastorale de la santé, du suivi de l'aumônerie pénitentiaire, de la curie diocésaine dont il a été un modérateur précieux et écouté. En Gironde, l'urbain qu'il était a découvert le monde rural. Il n'a pas fait qu'apprendre à goûter quelques crus prestigieux, mais il a su prendre son temps pour découvrir la situation très diversifiée de la viticulture et partager les préoccupations d'un certain nombre de viticulteurs. Monseigneur Laurent Daunien est un homme de prière, marqué par la spiritualité du Père Charles de Foucault. Il est à la fois un contemplatif et un actif. Il était un fidèle de la chapelle de l'archevêché le matin, avant de commencer son activité, et le soir, après les multiples déplacements et rencontres qui avaient marqué sa journée. Son appartenance à la fraternité sacerdotale Jésus Caritas, dont il a été un responsable régional, national, puis européen, a contribué certainement à lui donner le goût d'une simplicité de vie et de relation. Il est fraternel, gentil, mais il s'est tranché et décidé. Et ce qu'il a à vous dire, il vous le dit gentiment, mais il vous le dit. Ses confrères évêques ont su apprécier ses qualités puisqu'ils lui ont confié le suivi épiscopal de la pastorale des migrants, des artisans de la fête, de la mission de la mer. Ils l'ont élu, il y a un peu plus d'un an, président de la commission épiscopale pour la mission universelle de l'Église, l'invitant ainsi à élargir son regard et son cœur à cette dimension universelle de la communion ecclésiale. Il est également président du Conseil d'orientation des radios chrétiennes francophones, RCF. Je dois vous avouer que j'ai beaucoup apprécié sa collaboration, son attention fraternelle, son égalité d'humeur et la qualité de ses conseils. À Bordeaux, nous le voyons partir avec regret, mais nous sommes heureux qu'il vienne servir l'Évangile chez vous. Sa joie de se trouver parmi vous nous réjouit. Je suis sûr que vous apprécierez chez lui les qualités que nous avons nous-mêmes appréciées en lui. Avec tous ceux qui ont travaillé, avec Laurent, avec vous, frères et sœurs, qui l'accueillez ce soir, j'ai envie de dire tout simplement merci, Seigneur. Merci, toi qui envoies des hommes à ton peuple pour en faire les serviteurs de ta grâce. Merci pour les ministres que tu nous donnes et les apôtres que tu nous envoies.